Si un homme n'a jamais détaché les chevelures de sa femme, c'est qu'il n'est pas amoureux. Tu es sérieux là? On ne dit pas chevelure, on dit cheveux. Ha! Tu sais, depuis que mon maître était mort depuis au cours préparatoire, ma part d'école est finie comme ça. Laetitia, je me demande bien comment tu fais pour t'en sortir avec ce genre de français. C'est grave. C'est le français là qui construit le mariage. Ça va. Si tu es jaloux de moi. Tu ne peux pas aussi te taire. Ouais. Laisse-moi même souvent te défendre. Un homme qui bavarde plus qu'une femme. Yesh. C'est ça quoi? Te ressemble même de faire ses cheveux. C'est pas ton nom, c'est mon nom. Et tu veux porter ma croix? Gardez votre mauvais français là dans la chambre. J'avais accepté. Accepter, c'est accepter. Ce n'est que normal. Tant pis pour toi. Est-ce qu'elle est célibataire comme toi? Moi, je suis célibataire. Tu es célibataire. Tu fais quoi tous les jours chez nous? Tu viens jeter ce que j'ai rassuré pour qu'on prépare à nous. Toi, tu rassures d'abord comme nous. Je ne dis pas la vérité, c'est moi qui complète souvent la ration. Là. Tu complètes parce que tu n'as pas ce que tu as, ça ne te permet pas de préparer pour manger chez toi. Ah, tu complètes quoi? Tu arrêtes cet oxygène, tu fais comme ça et vous séparez. Vous voulez alors bagarrer? Tu avec fais comme ça et vous séparez. Tu nous sépares avec vous quoi? Voulez vous voulez bagarrer? Donc tu penses que personne ne peut te séparer avec Laetitia? Personne ne peut me séparer avec ma femme Laetitia. Ça, tu es sûr? Je suis sûr. Même s'il faut aller voir le grand marabout, tu ne peux pas. Tu as vu comment Big Rouge a fait, non? Bah attends, j'ai dit, les gens disent que tu as les écorces, mais finalement, tu les dis que tu as les écorces. Finalement, tu ne comprends pas. Finalement, c'est toi le mougou dans le couple là. Non, personne n'est mougou. Laetitia n'a jamais d'écorce, ni moi. Tu as les écorces, Oxygène. Il n'a pas les écorces. Faut avouer. Je n'ai pas les écorces. C'est naturel. Oh, il faut comprendre ça. Une belle femme comme Laetitia, beau gosse, regarde-toi. Oxygène, regarde-toi. Ça, ce sont les écorces. Ce n'est pas celle. Mais écorce comment? C'est lui qui est en train de faire l'esclave. Il a les écorces comment? C'est elle qui a les écorces. Un homme qui détend les cheveux de sa femme. Ça, c'est la sorcellerie. La fille, elle est partie à bas fond rouge prendre l'écorce. Non. Tu détaches les cheveux de ta femme, mon ami. Je l'aime. Il est juste en train d'entretenir le tabassi. Il est juste en train d'entretenir. Donc, il est en train de mettre le tabassi dans les cheveux. Oui, c'est ce qu'il est en train de faire. Oh, c'est vrai ça. C'est vrai. Hey! Attends, tu es sûr que personne ne peut arracher la femme si? Personne. Vous avez vu, non? Big Rouge est où aujourd'hui? Il sent, il pue. Quand il passe partout, là, il pue. C'est le bruit. Ce n'est pas le bruit. Va aussi essayer. Ça va, c'est la tente un peu définie. Va aussi essayer. Il dit, donc tu es trop sûr de toi? Je suis sûr de moi, j'ai confiance en moi. Oxygène, le bon gosse. J'ai confiance. Si, dis donc. Il a confiance en lui. Ça, ce n'est pas celle. C'est ça son écorce. Son écorce, c'est la confiance. Donc, tu es en même temps le beau gosse et le plus romantique des générations. Oui, effectivement. Mm-hmm. Laetitia, je ne t'en veux pas parce que je sais que ce n'est pas toi qui parles. C'est l'écorce, ce sont ses ancêtres qui l'ont mis en toi. Ce sont eux qui parlent. Ce n'est pas toi qui parles. Laetitia, je te connais. Beau gosse, ça va finir un jour, je te dis. Bon, tu es en train de faire comme ça. Est-ce que tu sais alors que il y a un Bengis qui arrive au Cameroun demain pour Laetitia? Oh, putain!